Hello les amis, aujourd'hui nous allons dépister le Sega Ages Volume 4 sur PS2, Space Harrier. Alors pour ceux qui connaissent, les Sega Ages sur PS2, les 2500, ce sont pour la première partie, les deux premiers tiers de la collection, ce sont des remakes des jeux de Sega. En général, je dis bien en général parce qu'il y a quelques exceptions, il n'y a pas le jeu d'origine dessus. Et donc là, celui-là, c'est un Space Harrier tout en 3D qui me rappelle assez le dernier Space Harrier qui est sorti en arcade en 3D aussi, qui restait exclu arcade. Je viens de le recevoir du Japon, tout neuf. Et ben, comme je vais y jouer, il va falloir que je l'ouvre. Et voilà. Comme c'est un des premiers volumes et qu'il est neuf, j'ai bien la petite carte avec qui décrit la bande d'origine et la petite notice tout en couleur qui fait toujours plaisir. Publicité pour les autres volumes. Quant au jeu d'origine, pas d'inquiétude, je l'ai sur Astro Mini, je l'ai dans Shenmue, je l'ai dans Yakuza. Et c'est donc le volume 4. Et voilà.